Bonjour à tous. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur l'algèbre linéaire de la première année S1, la deuxième partie des polynômes. On a déjà vu dans la vidéo précédente l'algèbre des polynômes, définition des polynômes, les opérations sur K, deuxièmement, division des polynômes, division suivant les puissances décroissantes. L'algorithme d'Euclide, PGCD, division suivant les puissances croissantes. Dans cette vidéo, on va voir troisièmement les racines d'un polynôme, quatrièmement factorisation, donc factorisation dans C, factorisation dans R. 4, 3, l'ordre de multiplicité. Les racines d'un polynôme. Définition. À chaque polynôme pi de x égale à 0 plus a1 fois x plus a2 fois x carré plus jusqu'à an fois x puissance n. Puis partie 1k, l'ensemble des polynômes. On associe la fonction P chapeau définie de k vers k, donc k l'ensemble du départ et k l'ensemble d'arrivée, définie par du x vers a0 plus a1 fois x plus jusqu'à an fois x puissance n. On a appelé fonction polynomiale de P et on dit que A partie à K est une racine de la polynôme si seulement si P chapeau de A égale à 0. Dans la suite, on notera P de A tout simplement au lieu de P chapeau de A. Donc A est une racine de la polynôme P. Proposition, soit P partie à K et petit a partie à K, A est une racine de P. Si seulement si x moins a divise pi, ou bien on dit pi divisable par x moins a. Quatrièmement, factorisation. 4,1, factorisation dans C, l'ensemble du nombre complexe. Théorème de d'Alembert-Gauss. Tout polynôme non constant de C admet une racine. Corollaire, lésima. Les polynômes irréductibles dans C, il y a le غير قابلة للاختزال sont exact de degré 1, c'est-à-dire si créé sous forme de x plus a, avec a partiel à c. En particulier dans c, tout polynôme p de degré n supérieur ou égal à 1 se factorise sous la forme suivante. Donc, pi de x égale lambda fois pi de k égale à 1 jusqu'à n, de x moins AK avec lambda appartient à C, un nombre complexe, et quel que soit K appartient à l'ensemble 1, 2, 3 jusqu'à n, et AK, les racines du polynôme, appartient à C. Par exemple, x carré plus 1, polynôme x carré plus 1, est réductible dans R. Par contre, il est réductible plutôt dans C. Donc, on peut écrire x carré plus 1 égale x carré moins i carré. Donc, d'après la troisième identité, on peut écrire x carré moins i égale x plus i, facteur de x moins i. Donc, pour dire que c'est polynôme divisible par x plus i ou bien par x moins i.
4,2, factorisation dans R. Donc R ici, l'ensemble du nombre réel. Proposition. Soit A est une racine de polynôme, rien C, avec pi appartient à R, alors A bar est aussi une racine de pi. Théorème. Dans R, tout polynôme de degré n supérieur ou égal à 1 se factorise sous la forme pi de x égale lambda fois produit de k égale à 1 jusqu'à m du x moins ak fois produit de pi l égale à 1 jusqu'à p de x carré plus lambda l fois x plus bêta l avec lambda appartient à r, quel que soit k appartient à 1 jusqu'à n, 1, 2, etc. jusqu'à n. Ak, le coefficient ou bien les racines du polynôme appartiennent à R. Et quel que soit L appartient à 1 jusqu'à P. Donc, delta de cette équation, c'est alpha carré, alpha L carré, moins 4 BL fois 1, donc ici 2 carré ici 1, et négative. Donc m, ici le nombre jusqu'à n, plus 2π, donc 2 carré fois le nombre ici de π, égale à n de degré de polynôme. Trouve. Le résultat est évident pour un polynôme de degré 0 ou 1. Si degré de π supérieur ou égal à 2, on applique l'algorithme suivant. Si pi admet une racine réelle a, alors il existe un polynôme q appartient à R, c'est l'ensemble du polynôme réel, tel que pi égale x moins a fois q, c'est-à-dire x moins a divise pi, et q quotient de la division euclidienne de pi par x moins a. Sinon, théorème de D'Alembert-Gauss, P admet une racine complexe, partie A, partie C. Par conséquence, A bar est aussi une racine de pi. Donc, pi de x égale x carré moins 2 partie réelle de A fois x, plus le module de A carré fois Q, où K, quotient de la division euclidienne, et partie à R, et delta égale moins 4 parties imaginaires de A carré, et négatif. Donc delta négatif, donc ce polynôme n'admet pas de racine dans R, puisque delta est négatif. On remarquera que x carré plus 1 plus x carré plus x plus 1 sont irréductibles dans R, mais pas dans C. Donc, et sur R, le polynôme pi du x égale x carré plus 1, facteur de x carré plus x plus 1, n'est pas irréductible. Il ne possède pas de racine. Par contre, dans C, donc ça va admettre deux racines et l'autre aussi admet deux racines dans C, donc est réductible, donc c'est polynôme réductible dans C et irréductible dans R. 4, 3, l'ordre de multiplicité. Définition. Si A appartient à K, est une racine du polynôme pi appartient à k, le plus grand entier m supérieur ou égal à 1, tel que x moins a puissance n puissance m plutôt divise pi, est appelé l'ordre de multiplicité de la racine a. Donc l'ordre
de multiplicité, Cm, avec m, avec x, moins a puissance m divise pi. Proposition. Soit pi appartient à k, un polynôme de degré n supérieur ou égal à 1, si pi admet r racine 2 à 2 distinctes, a1, a2, a3 jusqu'à ar, donc k, l'ordre de multiplicité m1, m2 jusqu'à mr, alors m1 plus m2 plus mr, c'est la somme de l'ordre de multiplicité, est toujours inférieur ou égal à n. Est toujours inférieur ou égal à n, c'est-à-dire la somme de l'ordre de multiplicité des racines de polynôme pi est toujours inférieur ou égal au degré de pi, c'est n. Exemple. Dans R, le polynôme pi de x égale x carré plus 3, x carré plus 3 fois x moins 1 carré fois x plus 2 est du degré 5. Donc ici, si x carré fois x, c'est x puissance 5, donc degré de polynôme si 5, possède une racine simple, une racine plutôt une racine simple, ici c'est x plus 2, c'est moins 2, c'est la racine simple de ce polynôme P, et une racine double, ici, donc c'est 1 de racine double. Alors, l'ordre de multiplicité c'est 1 et 2, 1 plus 2 c'est 3, donc toujours est inférieur ou égal l'ordre degré de polynôme c'est 5. Dans C, le polynôme, la même polynôme précédente plutôt, pi de x égale donc x carré plus 3 est réductible dans C, donc on peut l'écrire x plus i racine de 3 fois x moins i racine de 3, d'autre si x moins 1 carré fois x plus 2 est de degré toujours 5, donc polynôme de degré 5, poussé 3 racines simples, donc première racine si i, si moins i plus 3, deuxième racine si u plus 3, troisième racine si moins 2, et un double si racine de 1, si 1 est une racine double. Donc la somme si 1 plus 1 plus 1 si 3, plus racine double, 1 racine double si 2, égale à 5, donc est inférieur ou égal aussi, est inférieur ou égal à 5. C'est-à-dire toujours, la somme de l'ordre de multiplicité des racines est inférieur ou égal degré de polynôme. Définition. Un polynôme non constant est dit syndi si la somme de l'ordre des ordres de multiplicité de ses racines est égale au degré de ce polynôme. Ce cas-là, quand la somme de l'ordre de multiplicité égale au degré de polynôme, on dit polynôme syndi. Donc, l'exemple, c'est ce polynôme dans C. Donc, dans C, et toujours l'ordre de multiplicité est égal au degré de polynôme. Donc, on dit syndi. Par contre, dans R, toujours l'ordre de multiplicité est inférieur ou égal au degré de polynôme. Assalamu alaikum. درس البولين الحدوديات نلتقي إن شاء الله بالنسبة لأعمال التوجيهية تي دي دونك تصحيح السيري ان بالنسبة للحدوديات. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا تنسوا تقاسم الفيديو مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة تشجيعا لنا. أعانكم الله.